entre deux pays, et puis question et paquet de soldats russes qui sous frontière et la Russie partagée avec Ukraine. Donc, un paquet de grandes questions que l'y aborder avec Olaf Scholz, qui c'est nouveau chancelier allemand. Et dans le moment où on a parlé là, conférence de presse là a déroulé dans la Maison Blanche. Jodi, attaque, on nous dit déjà, c'est 7 février 2022. Ça fait 36 ans depuis des fins président avec Jean-Claude Duvalier, tu as quitté pays après un soulèvement populaire. Anniversaire, ça arrivé dans un moment que pays a vécu une crise politique, sociale, économique, sécuritaire s'emparer. Et dans l'édition aujourd'hui, nous voulons focus sur Datsa avec toute sa gang qui entoure. D'abord, dans Port-au-Prince, il y a le président-sénat Joseph Lambert qui mandait Premier ministre Ariel Henry pour ne pas engager l'État dans rien parce qu'à partir de minuit à soir, eh ben, il n'est pas Premier ministre encore. Il y a un reportage, Renan Toussaint, et puis Port-au-Prince. Dans l'occasion 7 février 2021, il y a une date historique qui était supposée marquer fin mandat ancien président Jovenel Moïse, mais c'est un étranger qui était assassiné la Kaili 7 juillet 2021. Président sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, n'ayant adresse à la nation, dit qu'il constatait fait service Premier ministre Ariel Henry à partir minuit à soya, dans tête pour Matia qui doit gérer seulement affaires courantes de l'État. Je t'ai demandé, Premier ministre, pour ne pas outrepasser la limite que la loi et la constitution pays en Bali par rapport à nouveau statut que le gagne aujourd'hui. Et surtout, pour ne pas aller au-delà de compétences pour engager l'État plus loin, côté le cadre, côté. Ne m'entendez pas là. L'été conseil électoral campé, fait assemblée constituante, prend ensemble d'initiatives pour faire des gros projets d'envergure pour le pays. N'a dit, Premier ministre, voilà les confinés. À partir de jeudi, à liquider uniquement les affaires courantes. Sénateur Lambert fait qu'on est, doit gagner une transition rupture pour planter base qui permet de résoudre les problèmes sociopolitiques et économiques. Le président tiré Sénat annoncé, sous base ça, rapide au presto, Sénat après organiser une rencontre en dirigeant CSPJ, Premier ministre Ariel Henry, avec l'autre acteur. C'est ça que fait, nous dit Premier ministre. Et nous dit tout le monde de bonne foi qui est dans le pays pour associer à Sénat. Et me tendez le Premier ministre à travers Miami Herald qui dit que tu content chita avec 10 sénateurs. Nous prenons au mot et nous allons inviter associer à nous pour nous capables. Bon côté CSPJ, bon côté tout acteur qui a un accord, qui a un consensus pour que définitivement. Nous mettons pays à l'autre côté. Sa pays à vivre là n'est pas vérité. Président Sénat, sénateur Joseph Lambert, dit que c'est seul 10 sénateurs en fonction qui a engagé l'État, puisque le Premier ministre Ariel Henry a gagné seulement pour le gérer avec courant de l'État, pendant qu'il a préparé sa le congrès consensus politique là, week-end qui a venir. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. On dit que, dans l'occasion, ça, il y a un département d'État qui réagit sous date 7 février, à côté que, l'immandé gouvernement haïtien, avec toute société civile là, pour y'a travailler ensemble, pour y'a capable de joindre un accord unique, y'a un accord unique qui permet que y'a débouché sous élection libre et honnête, qui a capable de permettre que y'a renouvelé et y'a renouvelé personnel politique là. Il y a l'autre question que y'a abordé encore, n'a rien pour nous retourner sur y'a. Pita nan programme nan. Et puis l'autre point qui dans l'actualité, nous pral rejoindre correspondant nous Yves Manuel qui pral dit nous qui Jean Port-au-Prince te jodi 7 février 2022. Pendant journée 7 février, porte l'école yo fermé jour symbolique ça qui marquait fin mandat constitutionnel président Jovenel Moïse qui était assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 pour divers acteurs politiques et organisations dans la société civile là mandat de fin prend fin depuis 7 février 2021 activité commerciale yo complètement ralenti commerciaux qui paient pour pas gain tension garder porte yo fermé tout
région métropolitaine Port-au-Prince-là réveillée timidement jeudi lundi 7 février. Il y a diverses rues qui désertent. Circulation automobile a fait au ralenti, notamment dans Tabar, Delma, Najon, Lalu, Bois-Vernard, Champ-de-Mars et Latrier. Présence force l'audio renforcée sur plusieurs artères avec policiers sans compter militaires. Premier ministre Ariel Henry n'a souligné la veille 7 février écarté toute possibilité pour remettre pouvoir, même gens avec plusieurs signataires à corps politique qui ont souhaité ça. Chef gouvernement réaffirmé volonté pour le travail pour organiser élection pour renouveler personnel politique là dans le pays. Yon président pas qu'à nommer ou choisi par un groupe moun ou yon organisation. Élection c'est seule voie pour suivre d'après sa premier ministre écrit dans tribune journal Miami Herald dimanche 6 février 2022. Organisation élection, bataille contre gang et ratification de nouvelle constitution, ses principales priorités administration Ariel Henry. Selon ça, laissez comprendre 29 l'année serait une dictature et 36 l'année côté ennemi nation pas permettre démocratie jamais dans pays réellement vrai et comme conséquence petite nation obligé courir quitter pays prendre direction plusieurs autres pays dans monde là d'après déclaration président élu à Comontana Alphonse Jean n'a souligné dans une correspondance li adressée à Premier ministre Ariel Henry dans date 2 février passé hein bureau suivi à Comontana sollicité yon rencontre pour reprendre dialogue politique là avec locataire primatien ak signataire accord 11 septembre Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la voix de la mairie. Merci Yves Manuel, la prête toujours dans Port-au-Prince côté un groupe citoyen qui réagit dans micro et devant caméra correspondant nous dans Port-au-Prince Massiado Vilmé. Yo exprimé support yo pour gouvernement en place là, un reportage Massiado Vilmé. Jodi a là qui c'est 7 février 2022 à la côté que nous ta doué gagner un président qui t'a pral quitter pour laisser avec un autre président, mais c'est pas comme ça non nous elle fait. Juste l'homme présenté président mouri. Nous t'ai espéré pour pays a te kage on tête ensemble pour passer place avec on l'autre président mais pas ça que t'es fait. Il y a tous ces militants proches ancien président Jovenel Moïse qui encouragent Premier ministre Ariel Henry rester dans tête pays jusqu'à ce qu'il organise élection pour renouveler personnel politique yo. En réalité dans sens propre Ariel te vinn faire continuité président Jovenel Moïse son fait normal. Même les président Jovenel Moïse t'a quitté jeudi à la depuis c'est pas un président t'a bailli Ariel t'a toujours dans place pour t'a fin faire reste yo et c'est une réponse pour toute l'autre nèg yo mettez tête ensemble avec lui pour ouais qui est sur pral bail 2023 pour nous bon président l'autre monde qui besoin prend place président faut que yo entende avec monde qui chita sous pouvoir pour l'élection et puis pour nous faire pays à marcher. C'est là qu'il a demandé à la population pour supporter le gouvernement dans le cadre de préparation pour l'organisation de prochaines élections dans le pays. Ça nous voulons nous-mêmes, en tant que jeunesse qui a un objectif, qui ça nous voulons. Nous voulons la paix. Il faut que le pays soit en paix pour tout secteur privé avec le ghetto. Nous voulons faire une belle élection pour le pays établi normal. C'est ça nous voulons. Sans la paix, pas un pays. Non? Nous voulons le pays. Nous voulons l'autre pays. Si nous-mêmes, qui haïtiens, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous changer pays, qui pays qui va changer pour nous, qui nation qui va faire nous avancer, nous besoin la paix dans le pays, nous besoin tête ensemble. Faut que le premier ministre s'en connaît, ministre Ariel, avec tout l'autre militant, tout l'autre dirigeant, faut que arranger chita ensemble pour nous marcher pays. Parce que je dis, allez, 7 février, faut que nous gagnions un pays qui en marche. Toutefois, observateurs passent souvent demandé à acteurs concernés pour agir vite dans l'intérêt de la population côté la vie chère et l'insécurité continue à topiser chaque jour plus. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Donc, on dit aujourd'hui, c'est 7 février 2022 et ça fait 7 mois depuis le président Jovenel Moïse tombé en bas balle assassin la Cali dans la résidence privée dans Pèlerin. Et jodi a te gen manifestant qui t'a demandé justice pour défendre président. Jodi a bazar dans la rue, li t'a annoncé les gens depuis 1er février là dans la rue jusqu'à 7 février. Jodi a date fin mandat président Jovenel Moïse, assassin criminel été assassiné dans la nuit 6 juillet 7 juillet 2021. Jodi a prend la rue pour nous dire Ariel Henry, mission finie,
Mandat Jovenel Moïse fini aujourd'hui. Mission Ariel Henry fini par quel droit pour le décaisser en rien sous nos l'État, sous nos peuples. Et pour ça, nous prenons la rue pour nous dire justice président Jovenel Moïse. Et si Ariel va assister, guerre civile. Donc c'était une idée sur l'ambiance qui était gagnée, côté que manifestant ça a demandé justice pour président Jovenel Moïse. On dit que il y a une autre réaction, notamment un ancien premier ministre AI, ancien ministre Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, qui lui-même fait un tweet concernant justice pour président Jovenel Moïse. Et puis avant nous aller dans la province, parce qu'on a pour aller dans la province, on a pour aller dans la diaspora, pour nous, qui gens yo même yo apprécié ou bien yo vive 7 février 2021 et 2022 plutôt. Mais nous pral rejoindre Konya Jean-Robert Philippe. Avec Jean-Robert Philippe, nous pral faire yon flashback parce que 7 février 86, ça fait 36 ans depuis défunt président Jean-Claude Duvalier. Défunt président à vie, Jean-Claude Duvalier était obligé de quitter le pays après un seulement. Pour bien Jean-Robert et fait un flashback dans l'occasion, c'est ça Jean-Robert? Effectivement, Jacqueline, mais pour nous comprendre plus bien fort, nous allons c'est une série d'événements qui ont commencé, particulièrement dans les années 80, où les régimes ont commencé à arrêter journalistes, fermer radio, et manifestations ont commencé à faire tout, surtout dans Gonaïve. Après, manifestations ont été occasionnées, il y a trois élèves de l'école qui étaient morts là-dedans, il y a manifestations dans Tigouave, tout, et puis d'autre côté, tout, et c'était tout aboutissement, ça a été bon, nous, ça a venu le 7 février 1900, et 86. Pour les raisons de 7 février important dans la vie politique du pays, depuis 7 février 1986, c'est d'un côté, ils ont levé campé populaire et voué en exil Jean-Claude Duvalier après qu'il était passé 15 ans à diriger le pays. 7 février 1986, c'était marqué fin 29 ans régime Duvalier Isla qui était commencé dans la date 22 octobre 1957. Assemblée constituante qui était rédigée Maman Loi 1987 là, t'est précisé dans l'article 134-1 nouveau constitution que un président haïtien gagne un mandat 5 ans qui a commencé dans la date 7 février après élection l'IA et l'a fini 5 l'année après jour pour jour, soit dans la date 7 février année qui vient après nouveau élection générale là. Depuis le ça, 7 février vient gagner une signification politique et spéciale dans l'histoire récente pays d'Haïti, même si il pas gagné même importance là sur plan social. Par exemple, gagne gros événement qui déroulait chaque année pour marquer jour ça comme un jour fête nationale, excepté pour marquer date côté président en place là, t'es prêté serment. Allez ça, aspect ça dans importance date là pas existé. Jean-Bertrand Aristide, le premier président qui était élu démocratiquement dans l'histoire pays. Il était prêté serment 7 février 1991, soit 5 ans après le renversement dictatif du Duvalier Isla. Aristide a pas répété performance ça en 2001. Côté, dans la date 7 février, il était prêté serment comme président après il était pris une pause 5 ans. Jean Nouveau Constitution a demandé ça. Ensuite, avec René Préval, le peuple a pris revivre même scénario. En 1995 et 2006, côté l'ité prend tête pays pour deux mandats qui pas consécutifs. 7 février a représenté tout un symbole pour un pile conquête démocratique qui fait en Haïti depuis pays a retourné dans giron nation côté état de droit à soi-disant réel. Une conquête ça yo, c'est liberté la parole qui Jean en pile monde reconnaît li pas toujours servi pour défendre une bonne cause. Cependant, l'utilisation de l'acquis démocratique 7 février a été hypothéo, pas suivi en ligne droite. J'ai un pile secteur dans le pays a été espéré là. Vraiment vrai, expérience démocratique tout neuf là, t'apprends à connaître quelques moments d'interruption. L'année 1991, militaire était voué président Aristide en exil. Après un coup d'État, il a été fait dans la date 30 septembre, 7 mois après qu'il était monté sous pouvoir. En 2004, yon levé campé armé, t'apral voué, Jean-Bertrand Aristide encore en exil, côté li t'apral rete juste fait mandat là, t'es arrivé. Après ça, Haïti t'es gagné quelques dirigeants qui pas prêté serment yon 7 février. N'a pas cité, par exemple, Boniface Alexandre, Joseph Neret, Justin Privert avec Michel Martelly. Donc, capable de dire, pour nous finir, 7 février 2022, barré Haïti sous inconstitutionnalité, côté pays a pas gagné un nouveau président pour remplacer Jovenel Moïse et pas gagné garantie non plus
que la gagne un nouveau leader élu dans date 7 février 2023. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe et n'a continué avec quelques réactions, réaction département d'État qui fait qu'on connaît que administration et Harris Biden ou bien Biden Harris là toujours été il dit que États-Unis était un partenaire pour Haïti et yo même il a gardé premièrement il a soutenu police nationale là surtout avec question insécurité cap saccage pays et a passé ouais tout avec d'autres partenaires internationaux qui gens yo capable porter coller financièrement et avec Haïti. Donc c'est le temps ça t'a banou quelques réactions département d'État dans occasion et tant qu'on te promet nous toujours sur la voie de l'Amérique n'a pral n'a suivons depuis Washington DC nous pral qu'on y a dans ville au Cap côté partisans et opposants accord Montana manifesté pour application ou bien pour gel ancien candidat à la présidence Maurice Jean-Charles dit li enterré accord ça tandis que un groupe sympathisant accord mandé pour installer monsieur et Fritz Alphonse. Yon reportage Gérard Maxino depuis Cap Haïtien. Manifestant yo qui te gen pancarte nan main yo, te accompagné de Bon Rara ak DJ, yo t'a réclamé installation président transition coupé fâché à économiste Fritz Jean nan Palais National. On dit après, leader petit de Saline, Moïse Jean-Charles, que on fout le monde devine accueilli dans l'aéroport au Caplan, de retour dans le département après passager dans le continent africain, te prend position en bas, pied monument vertiao, contre accord Montana, que le dit, qui en faveur anti-minorité. Selon ancien parlementaire, moun ki de accord ça vise directement. Jean-Charles a profité annoncer divers déplacements la bien pour faire à l'étranger dans jouk ap vini la yo. Mardi 8 février ça, ancien candidat à la présidence gen pour faire un check-up médical dans pays Cuba. Le 19 février, la tourné en Afrique. Le 11 mars, la bien pour visiter pays Mexique et nan mois juin k'ap vini la, Moïse Jean-Charles a annoncé la visiter pays la Russie. Faut faire remarquer tous deux manifestations dimanche 6 février ça déroulé dans deuxième ville pays a sans aucun incident en bas gros dispositif la police. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Le n'a pas gardé full monde ça c'est bien le moment pour nous dire mettez masse mettez pas comme ça masse moi nous content saluer toutes amis nous cap suivre nous sur page Facebook nous et sur toute l'autre plateforme nous n'a pas continué avec 7 février mais crise politique et sécurité a des conséquences sur tout département dans pays d'Haïti dans ville Jacques Mel la Voix de l'Amérique parlait avec trois citoyens sous situation pays a jeudi 7 février 2022. Claudine Laveau, c'est une Française qui était venue vivre en Haïti dans l'année 1964. Il songeait Jean Pays à Théier après le départ Jean-Claude Duvalier en 1986. Haïti, c'est un pays qui a tellement changé pendant toutes ces années. Malheureusement, il n'a pas changé en mieux. Il a changé de mal en pire et ça, c'est triste. Là où tu vois, Port-au-Prince. Dans les années 64, 60, même en 80 jusqu'à 4 après le départ de Jean-Claude Duvalier,
pays ça dit Port-au-Prince est encore une très belle capitale. Pour ancien député Deus de Ronette, légitimité responsable, c'est plus gros problème pays à confronter. Nous tombons dans une situation qui est très grave, que la République d'Haïti, je vous dis, n'est pas gagné dans quelle position au monde qui gagne assez de légitimité pour représenter l'État. Et c'est dans cette situation ça qui fait que nous demandons, on met ensemble, nous demandons pour nous gagner une forme de consensus, de compromis, pour nous capables de jouer en situation unitaire entre tout groupe qui a gommé pour occuper des places dans le gouvernement. Ongan Dubois-Ivensky lui-même, quoi c'est élection à tête ensemble qui a aidé Haïti à sortir dans la situation ça. Plus grave que ça, nous ne pouvons pas qu'aider ça. Plus grave que ça. Parce que, essentiellement, l'important c'est que les dirigeants se prennent en main pour mettre comme grand monde et pour faire l'élection et pour payer aller de mieux que le capable. Vous comprenez? Parce que si jamais. Pas ta gagne élection et que bah il y a de grave, c'est que n'a vraiment péri et le pays a vraiment pas existé parce que on se rend compte que nous pas gagne amis, bah il y a monde qui vient aider nous, c'est nous qui nous tête dans ça, on nous sortir dans ça. Nous pas qu'à juger Haïti, Haïti c'est son pays, il va quand rien. Moi plus penser que pour tout le monde qui a occupé au cours de toutes ces années qui dirigeait pays a pour tout le monde ça y a réfléchi côté où voulait aller à pays ça parce que c'est dommage. Nous avons un potentiel politique qui est très, très, très grand. Nous avons une culture qui est extrêmement riche par notre histoire. Et là, on regarde les commerces, en tout cas, commerce comme là, comme les clients ouais, qui rentrent aujourd'hui dans un commerce là. Si on a trop, deux ou trois qui rentrent, c'est tout. Pas de monde. Donc, toute bagaille a dégringolé, a dégénéré. Vraiment, c'est alarmant. Jusqu'à côté, nous pas le descendre comme ça. Pour Yvon Villius, dans Jacques Mel, moi c'est Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique. N'a pas quitté Jacques Mel, nous prenons la diaspora et nous prenons garder pour nous qui gens, communauté haïtienne dans la diaspora, et bien, yo même, yo vivre 7 février 2022, nous gagnons sous place dans New York, collaborateur nous, Valério Saint-Louis. Merci Jacqueline Bélizier. En effet, jeudi, c'est 7 février 2022. Date ça a une importance politique pour certains mondes, puis l'autre qualité monde, il y a une signification historique. La Voix de l'Amérique est rencontrée avec des citoyens haïtiens qui vivent dans la cour New York qui fait nous connaître qui sa date ça veut dire pour eux dans le contexte actuel. Gary Dorléa, Maître Octave Saint-Just et Dens Débat, te parlé dans le micro. Nous connaissons une date historique dans la vie nationale pays d'Haïti qui date déjà presque 36 l'année et que après le départ de Jean-Claude Duvalier et que nous venons le 7 février 1986. Il avait laissé le pays. Date ça a une date marquante dans le sens ça qui t'a dit que le pays a été venu gagner un freedom sur le plan ça que nous relais liberté d'expression, liberté de la parole. Mais journée aujourd'hui, nous joignons que date là pas aussi simplement de date liberté d'expression que Babouquette l'a cassé et que nous pas dans dictature encore. Les vins mener nous dans ça que nous sommes capables d'oser entre guillemets relais démocratie. Nous joignons que dans l'état que nous plongeons hein, et que date là, les vins fait partie de un groupe monde qui était censé chita te tomber d'accord pour classer comme on date dans la constitution hein, lorsque un président monte faut que monte dans date ça. Date ça que nous tout a souhaité parce que son pouvoir fait là mais très hypothétique parce que nous attendons à des manifestations à des violations du droit monde. Est-ce que y a des moyens politiques maintenant pour installer tout gens? Est-ce que y a des moyens politiques pour faire Steven Benoit entrer dans la primature, dans la place Ariel? Donc, pour moi-même, 7 février, c'est une date, comme toutes les autres dates, il n'y a rien de plus sérieux que nous qu'à attendre nous, qui va le passer. Il y a une parole qui parle sur 7 février, il y a des gens qui dit mandat Ariel Henry a fini 7 février. Et nous-mêmes, nous n'avons pas avis ça parce que nous n'avons pas croire que Ariel a un mandat. Et 7 février 2022, eh bien, un pile acteur politique prend pour une date butoir côté, eh bien, ils dit qu'ils pral faire un gens pour retirer Ariel du pouvoir là, ou bien joindre un consensus largement large. Eh bien, moi-même, moi t'as souhaité que tout le monde mette tête ensemble et cherche consensus.
Il est donc évident que date 7 février a une importance pour Haïtiens qui vivent en dehors pays. Depuis Brooklyn, New York, Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio, nous avons quitté New York et nous prenons le Boston, nous prenons rejoindre journaliste Erlich Dorelast, toujours sous 7 février 2022. 7 février 1986, une date historique dans l'histoire du pays d'Haïti. Haïti enchanté, Haïti libéré, après le départ dictateur Jean-Claude Duvalier. 7 février 2022, quelques Haïtiens dans la ville de Boston, Haïti a vécu une autre réalité. Réalité aux différences qui s'allient, c'est que en 1986, on a un groupe de citoyens qui étaient portés dans eux-mêmes le changement. Et changement ça, malgré tout parcours que nous faire à partir de tout problème qu'on connaît, problème coup d'état, problème élection mal faite, à partir de l'élection 16 décembre, encore côté peuple a l'idée pour une décision pour choisir le monde qui vient gouverner, fait que réalité, je dis, fait que nous en fassons pays, côté c'est la communauté internationale qui a décidé directement pour Haïti, surtout à partir des élections de 2011. Nous n'avons qu'à faux et côté pas qu'à faire démocratie du tout. À d'ailleurs, même l'État n'a pas campé. L'État en faillite. Toutes les institutions sont détruites et ont détruites à ferme condition. Son calcul politique. Je veux dire, même la Cour de cassation, nous n'avons pas qu'à parler de fonctionnement de la Cour de cassation. Nous n'avons pas de Sénat. Pas qu'un monde qui sont élus qui détient en leur possession la légitimité politique. Non, mais... Depuis quelques années, 7 février toujours annoncé une grosse tension sur le territoire pays d'Haïti. Un cafou dangereux pour le peuple haïtien. Pour ancien député 47e législature, Jérôme Charles, qui a vécu dans la ville de Boston, mandé départ premier ministre haïtien Ariel Henry. Le premier ministre, de fait, Ariel Henry, droit parti le 7 février 2022. Bon côté, Jean-Bernard Jean-Charles, un analyste politique, lui partageait même opinion. Faut premier ministre haïtien, Ariel Henry, à le 7 février 2022, pressé. Instabilité politique, insécurité qui a brassé le pays d'Haïti. 7 février 2022, pour quelques compatriotes, ça suppose jouer une réflexion avec l'espoir, un jour, il va jouer en Haïti. Erlich Dorelast, de Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Merci Dorelast, c'est bien fun dit que